just some shit for these kids to trash their rooms with. Depuis plus de deux siècles, le corps des Marines des États-Unis se bat pour la liberté. Mais son infamie, sa légende, il les a construites dans l'enfer de la Seconde Guerre mondiale. Il n'y a pas de triomphe sans souffrance. Les hommes paient la victoire de leur sang. La loyauté, le courage et le sens du sacrifice les ont guidés. Et ce long périple a commencé au petit matin du 7 décembre 1941. Que tu viens à Hawaï, pour le cadre, t'as pas à te plaindre. Très en beauté, Marie. Salut, Bobby. Il y a pire comme affectation. C'est moi qui vous le dis. Major McAfee et deuxième classe Thomas Conlin. Bonjour, Major. Conlin. Bienvenue à Pearl, Marine. Ça, c'est le mess des officiers. Ça m'étonnerait que vous y mettiez les pieds un jour. Vous et moi, on est là pour aller au charbon. Bon, ce grand bâtiment-là, c'est Packet Hall, le dortoir des militaires du rang. Purée, ils ont même une piscine. Il y en a qui se la coulent douce. À côté, vous avez le QG de l'amiral Kimmel. Il est peut-être un peu sévère, mais c'est un type réglo. J'emmènerai pas large à sa place. Commandant de la flotte du Pacifique, ça calme. Enfin, ce qu'il en reste. Parce qu'ils envoient des navires en Europe à tout bout de champ. Le reste du secteur, c'est la base des sous-marins. Ces crétins sont fidèles à eux-mêmes. Être enfermés comme ça tout le temps, ça les rend fous. Là, vous avez le plongeoir où les sauveteurs s'entraînent. Remarquez, il n'y a pas grand-chose à faire quand on est coincé dans un sous-marin. Alors, Joe, les Yankees t'ont pas encore appelé? Non. Faut croire qu'ils ont du mal à me trouver, Major. J'ai une vedette qui va vous y emmener.
Vous êtes affecté sur l'Arizona. Il a été retapé en 31. Ah, c'est un bon bateau. Regardez-moi cette bande de feignasses. Heureusement qu'on n'est pas en guerre. Je ne vous dérange pas, j'espère. Négatif, Major. On était juste en train de revoir 2-3 bricoles. Ça vous embêterait d'emmener ce terreux sur l'Arizona? Pas de problème. Les ailes.
Montez vite au canon. C'est ça, recule.
yesterday, December 7th, 1941, a date which will live in infamy. The United States of America was suddenly and deliberately attacked by naval and air forces of the Empire of Japan. I regret to tell you that very many American lives have been lost. I ask that the Congress declare that since the unprovoked and dastardly attack by Japan on Sunday, December 7th, a state of war has existed between the United States and the Japanese Empire.